Mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour la quotidienne. Ça va être un chit-chat make-up. Du coup, il fallait que je me maquille. Je me suis dit que j'allais faire ça devant vous. En plus, il fallait que je vous présente, parce que cette vidéo, elle est sponsorisée par Stylevana. Du coup, bah, je remercie Stylevana de m'avoir envoyé une petite sélection de make-up et de soins. Franchement, c'est trop des amours. Ils m'ont dit, tu prends ce que tu veux. Du coup, je leur ai fait ma petite commande. J'ai reçu ça super rapidement. Du coup, dans un premier temps, je vous montre un petit peu tout ce qui est colis, emballage. Enfin, je vous montre tout ce que j'ai commandé. Et puis après, je vous retrouve et on débutera le début du make-up. La livraison s'est faite super rapidement avec FedEx. J'ai reçu le colis en seulement 3 jours. Là, je viens d'ouvrir l'emballage, donc vous avez un carton, tout ce qu'il y a de plus simple, avec le petit autocollant, donc Stylevana. Tout est soigneusement bien empaqueté. On a du papier bulle pour tout caler. Je découvre en même temps que vous, donc les emballages, ils sont assez cute, assez kawaii. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus coréen. À chaque fois que je commande du make-up, j'ai hâte de tester pour savoir si les teintes vont être les bonnes. J'avais hâte de tester d'ailleurs ce crayon à sourcils, qui a une mine assez fine. Là, on a des éponges, on dirait une boîte d'œufs. Le petit highlighter, c'est marrant, c'est écrit en français. Créateur du contour. Ça, je crois que c'est le contouring. La poudre contour, quoi. Sunshine Cheek, ça doit être le blush. Glitter Eyeshadow, ça doit être pour les paupières. Le fond de teint, qui est super minimaliste. J'ai hâte de voir s'il si a ma teinte. Donc, il y a un SPF. Bon, de toute façon, je vous le dirai, on va le tester ensemble dans cette vidéo. Là, on a un petit highlighter, il me semble. Crème. Là, j'ai voulu tester leurs soins. Franchement, il paraissait super intéressant. Propolis Glow. Donc ça, je vous ferai un retour prochainement sur ma chaîne. Il me semble que c'était pour hydrater la peau et pour nourrir la peau. Là, on a une crème au rétinol. Le rétinol, c'est vraiment le must-have pour la peau. Donc c'est à 30 ml. Là, on a un eyeliner. On a un concealer. McQueen New York. Et la teinte, j'ai hâte de découvrir pour voir si c'est la bonne. Et enfin, j'avais pris un set de pinceaux. Ah bah non, en fait, c'est pas tout, attendez. J'ai pris un, je sais plus si c'est un gloss à lèvres, pink beige. Et voilà, j'ai hâte de le tester, celui-ci. Et enfin, là, c'est le dernier produit, c'est une crème contour des yeux, donc au collagène. Ouais, j'en ai vraiment besoin. 40 ml quand même, ils sont pas radins sur la quantité. On adore. Ben écoutez, on va tester tout ça ensemble. Hein, là. Moi, je vous retrouve 2, 3 jours plus tard. Pour vous, c'est dans une seconde. Avant de débuter, je vais vous parler un petit peu de Stylevana. Stylevana, c'est une boutique en ligne qui vend des cosmétiques, que ce soit des soins, des produits pour cheveux, du make-up. Et en fait, il y a énormément de produits coréens. Les prix sont vraiment super, super attractifs. J'ai un code promo de moins 10% de réduction. Sachez que il y a moins 15% supplémentaires cumulables. Attendez, j'ai pris des notes. Avec mon code INF10 Linda, vous avez moins 10% de réduction, du coup à valoir sur votre commande. Et en plus de ça, vous pouvez cumuler moins 15% de réduction supplémentaire si vous achetez, du coup si vous êtes en France, si vous achetez pour plus de 48 euros, vous avez moins 15%, du coup ça vous fait moins 25. Franchement, c'est un super bon plan. Si vous commandez, puisque je sais qu'on est une multinationale ici, si vous commandez d'Australie, vous avez à partir de 77 $ canadiens. Du coup, que vous avez les moins 15% de réduction supplémentaire. Si vous êtes en UK, c'est 43 livres à dépasser, et Canada 75 $, et États-Unis 59 $. On adore ou pas, mais bien sûr que oui. Bien sûr, je vais vous présenter les produits. Si vous m'avez vu dans le vlog d'hier, du coup, vous avez dû voir ce soin. Du coup, c'est un sérum pipette comme ça en verre au Propolis Glow. Ça, c'est parfait en fait pour hydrater la peau et pour donner un effet un petit peu lumineux. Moi, je l'applique le soir avant de dormir, mais vous pouvez aussi l'appliquer le matin. Je l'ai déjà appliqué, franchement. Je vous conseille d'attendre 5 minutes d'intervalle entre le sérum et la crème de jour. Donc celui-là, franchement, je vous le recommande. Il est grave pas cher. Encore une fois, si vous n'avez pas vu mon vlog d'hier, il coûte à peine 5,30 €, je crois, un truc comme ça, en plus avec ma réduction supplémentaire. Vraiment, c'est un super bon plan. C'est un bon produit. La composition est vraiment clean et tout.
Du coup, moi, ça, je vous le recommande. Désolée, je me tente parce que j'ai mis mon petit paquet derrière. Ensuite, du coup, en crème de jour, j'ai déjà appliqué, pareil, je vous l'ai montré hier si vous n'avez pas vu, ma crème rétinol. Elle est trop bien. Le rétinol, en fait, c'est un ingrédient qui est parfait si vous êtes une vieille bique desséchée comme moi. Non, plus sérieusement, si vous avez des taches, si vous avez, si votre peau, en fait, commence à manquer d'élasticité, si t'as des rides, des ridules et tout, franchement, ça atténue les rides, les ridules. Est-ce que vous voyez correctement? Ouais. Elle est vraiment, vraiment bien. Franchement, moi, en 2 jours que je l'ai appliquée, j'ai vu une différence parce que ça avait très, très, très longtemps que j'avais pas utilisé de rétinol sur ma peau depuis l'année dernière. Et franchement, le rétinol, il y a d'autres produits au rétinol. Hein. Si vous pouvez trouver un sérum chez eux au rétinol, déjà, je crois qu'il y a 0,3% de rétinol, c'est assez énorme. Mais le rétinol, franchement, à partir de 28 ans, je vous recommande pour tous vos cosmétiques. Bref. Du coup, pareil pour la crème de contour des yeux. Moi, j'ai choisi celle-ci. Elle est pas chère et franchement, la contenance, elle est pas mal. Donc, il y a 40 ml quand même. La Moist Full Collagène. Voilà. De chez Etude. Qui se présente comme ceci. Pareil, j'en ai mis une assez grosse quantité. Je pense qu'on peut en remettre un tout petit peu parce que j'ai le contour des yeux particulièrement desséché. Je viens d'enlever mes lunettes de vue, hein, mais sachez que bah, si vous ne me suivez pas, j'ai des lunettes de vue. Bref, sinon, vous, j'espère que ça va. Moi, je vous avoue que je commence à être un peu fatiguée quand même. C'est pas par rapport aux vidéos, parce que filmer les vidéos, tu vois, c'est mon moment à moi où je discute avec vous. Bon, je regarde toujours un peu l'heure parce que je suis toujours un petit peu à la bourre. Mais filmer les vidéos en soi, c'est pas ce qui me... Tu vois, ça me... Comment te dire? C'est pas ce qui chamboule le plus mon emploi du temps. C'est tout ce qu'il y a autour, je vous jure. Enfin bref, je vous ai pas dit, mais la crème au rétinol, celle-ci, elle est de Belle Flower. Voilà, au cas où vous connaissez cette marque. C'est vous m'avez conseillé des produits coréens. Hein. Donc moi, ils sont venus, ils m'ont contacté. Ils sponsorisent la vidéo, d'ailleurs, je vous l'ai dit. J'ai dit, mais franchement, avec plaisir, je vous jure. Ils sont super sérieux. Ils sont, tu vois, droits. Ça qu'on aime. J'ai utilisé un crayon, d'ailleurs, pour les yeux. Pour les sourcils, il est trop bien. Celui-ci, là, que je vous ai fait le unboxing tout à l'heure, il est vraiment bien. En fait, il fait un effet vraiment très... comment te dire? Comme une cire un petit peu teintée, tu vois ce que je veux dire? C'est pas très opaque, quoi. Tu vois? Regarde. C'est pas très opaque. Et ça fait un résultat assez naturel. Du coup, j'ai beaucoup aimé. On fera peut-être une retouche après. Mais vous savez que moi, le matin, je fais mes soins, je fais un peu mes sourcils et je déambule comme ça, no make-up. Oui, oui. Donc là, on va pouvoir passer au fond de teint. Du coup, on va appliquer le fond de teint avec les éponges. Franchement, Beauty Blender, il n'a rien à leur envier. Moi, j'ai déjà imbibé d'eau la mienne, celle-ci. Franchement, elle est super moelleuse et tout. Pas cher. Regardez, on dirait pas une boîte d'œufs. On adore. Vous en avez 4. Ça, je vous recommande, vraiment. Les yeux fermés. Franchement, ça et Beauty... En plus, j'ai commandé un Beauty Blender, là. Ça et Beauty Blender, c'est pareil. Je vous jure. En plus, vous en avez 4. Pour le prix, vraiment, il n'y a rien à dire. Du coup, je vais appliquer ce fond de teint-là que j'ai pris. Je vais mettre ça par terre. Je serai mieux. Le Double Lasting Foundation. Il y a un SPF 35++. Donc, les teintes... Moi, j'ai pris la teinte Sand. J'ai vu que les prix varient en fonction de la teinte que tu prends. Donc, la teinte Sand... En France, généralement, c'était ma teinte. Là, je trouve qu'elle est un peu claire. Mais il me reste un peu de bronzage de cet été. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je crois pas que tu vois ce que je veux dire. Mais habituellement, je suis plus blanche que ça. Je vais m'attacher les cheveux. Ce sera plus simple pour me maquiller. Je vous ai pris dans mon salon. Aujourd'hui, on a changé de décor. Moi, je filme jamais au même endroit. Tu sais, je suis pas... C'est selon qui déjeune, qui fait quoi ici, tu vois. Enfin, bref. Du coup, je vais mettre... Moi, j'aime bien parce qu'il est assez couvrant. Voilà. Et puis, il a une bonne tenue. Je ne sais pas si vous connaissez encore une fois Etude. Il n'y a pas genre une masse de teintes différentes. Genre, si, il n'y a pas toutes les carnations, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement sur le Beauty Blender. Le Beauty Blender, oh là là, des fois, je vois des dingueries. Les gens, ils l'appliquent en sec. Tu vois qu'il est sec. Et le Beauty Blender, il ne faut pas étaler comme ça. Tu tapotes. Je vais te montrer. Quand même, avec toutes les vidéos que vous voyez sur Internet. Même des youtubeuses, elles font ça. Les youtubeuses, tu vois, faut tapoter, les amis. Faut pas faire ça. Faut pas déplacer. Attendez, on va commencer comme ça avec une pompe. D'ailleurs, il m'a envoyé aussi des... C'est moi qui les ai choisis. Ils sont tout mignons.
Je vous dis la vérité, je les ai pas lavés. Hein. Les Beauty Blender, oui, je les ai rincés et tout. Mais les pinceaux, je les ai pas lavés, autant vous dire. Donc, je les ai reçus là-dedans. Non, parce que j'ai vu qu'il y avait peut-être un miroir, tu vois, là. C'est bien ou pas? Là, t'as les pinceaux et là, t'as un truc comme ça. Oh là là, mon mari qui fait du bruit en train de se raser. J'espère que vous entendez pas son rasoir électrique, là. Mais c'est une blague, en fait, on dirait un moustique qui fait 2 mètres. Vous entendez le bruit? On dirait le bruit d'un moustique. Non, je vous jure. Donc, t'as vu? Non, je te jure, en vidéo, ça paraît plus clair que prévu. Hein. Tu vas voir à la fin. Hein. Ne me jugez pas. C'est le fond de teint que j'ai dans les 3 dernières vidéos. Donc, franchement, il est pas mal. En fait, c'est dommage que la teinte, elle soit pas un chouïa plus jaune, tu vois. Ah non, mais on dirait une palousa tunsi, hein. Attendez, inquiétez-vous pas, il s'oxyde un tout petit peu. Attendez, je l'applique, on se retrouve, là, c'est clownesque. Regarde, je te montre sur la ring light. Tu vois, sur la ring light, ça fait pas le même effet. Ça blanchit, en fait, la ring light, ça blanchit mon teint, parce que c'est une lumière, j'ai mis le teint bleu, j'ai pas mis jaune. Je devrais peut-être mettre jaune. Elle est bonne, celle-là. Attendez, bougez pas. Je vais changer. Je vais peut-être mettre en jaune. Ouais, comme ça. Ça va un peu mieux, non? J'ai l'impression. Bon, espérons que ça jaunisse pas mes dents non plus, quoi. Ça va. Donc, le fond de teint, en tout cas, il couvre bien. Hein, vous avez vu, moi, j'ai beaucoup de grains de beauté. J'ai beaucoup d'imperfections. En fait, mon grain de peau, il est beau, mais j'ai beaucoup, genre, de taches, etc. sur ma peau. Donc, par rapport à ça, franchement, il camoufle super bien. Et non, je suis un peu fatiguée, je suis un peu... J'ai été un peu contrariée cette semaine. En fait, tu sais quoi, c'est pas ça, mais il vaut mieux pas des fois que j'ai le temps pour moi, je vous jure. Parce que vous avez vu, quand... je sais pas si ça vous fait vous aussi, mais quand on a vraiment du temps pour soi, on se pose des questions assez existentielles. Et moi, du coup, je me suis posée... En fait, j'ai fait un triste constat. J'ai l'impression que je prends soin de tout le monde. Attendez, mais pourquoi j'ai rangé le miroir? J'ai l'impression que moi, je prends soin de tout le monde, mais qu'il n'y a jamais... Je vais pas dire qu'il n'y a jamais personne qui prend soin de moi, ça serait faux. Mais, genre, c'est toujours moi qui prends soin des autres, tu vois. Mais après, c'est dans ma nature. Les gens, ils sont pas comme ça, on va pas les changer. Puis c'est pas moi qui vais dire, voilà, ceci, cela, tu vois. Mais, ouais. C'est dommage que les gens, ils... Je sais pas. Je suis déçue tout le temps par rapport à ça. Je pense que j'ai des attentes secrètes, que ça change un peu, mais bon. Ça change pas trop. Bon, ça va. Il y a des améliorations, mais... Vous êtes en train de vous demander de quoi je parle, oui. Vous savez que ma vie est une devinette et qu'elle est une charade. Je peux pas vous en parler. Voilà. Tu vois, t'as capté ou pas? Oui. Donc, attends, je mets ce concealer-là. La teinte, pour le coup, ça va... Tu vas voir, à la fin, ça va aller mieux. Hein. La teinte... Donc ça, c'est le concealer de chez McQueen. La teinte, elle est plus foncée du coup que l'anti-cerne pour le coup. C'est la 1023, mais de toute façon, je te mets tout en barre d'infos hein, si ça t'intéresse. J'aime bien l'applicateur, je vous ai même pas montré. C'est un applicateur un peu comme le Makeup Revolution, là, le concealer de fine. D'ailleurs, est-ce que j'en mettrais pas un chouïa un peu plus? Du coup, cover, concealer, apparemment, il couvre et il se fixe bien, quoi. C'est ce que j'ai lu sur le site. Il n'y a pas beaucoup de photos des produits sur leur site. Du coup, c'est bien que vous puissiez trouver... J'ai vu qu'il y avait pas mal de revues quand même sur Sylvana, sur YouTube. Que ce soit des partenariats, pas des partenariats, des petites... Enfin, des petites... T'as vu des vidéos qui ont 200 vues et tout, il y a de tout. Du coup, je le fais avec le Beauty Blender. Je préfère faire quand même au doigt ou à l'éponge ou au pinceau, mais bon... Donc voilà, hein, pour être honnête avec vous, ça va, mais j'ai l'impression de courir toute la semaine, quoi. Tous les rendez-vous médicaux, le ménage, la bouffe, le lendemain tu recommences, le ménage, la bouffe, le lendemain tu recommences. Les vidéos, ça va, tu vois, je commence à prendre le rythme. En fait, filmer la vidéo, encore une fois, comme je t'ai dit, moi, c'est comme si j'avais une copine chez moi, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est ce qu'il y a derrière qui est un peu pénible. Bon, le montage, voilà, quoi. Franchement, je bâcle. On va dire la vérité, je fais pas beaucoup de montage. Mais après, c'est le téléchargement qu'il faut attendre. Après, la miniature. Après, il me faut tout le temps un créneau quand je poste pour pouvoir vous répondre. En plus, ça me frustre parce que j'ai l'impression de pas répondre à assez de personnes.
je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires. Je suis contente, tu vois, mais j'aimerais tellement pouvoir tous vous répondre. Du coup, vous avez capté que je vous mets un cœur à chaque fois que j'ai vu votre message. Bref, du coup, est-ce que c'est bon là? Parce que des fois, je fais une vidéo et quand je la regarde, je me dis, Linda, t'as oublié de bien étaler là. Enfin bref. Je pense que ça va aller. En tout cas, franchement, l'éponge, achetez-la, elle est trop bien. Et même l'anti-cerne et tout, hein, tu vois pas bien, mais t'as l'impression que c'est blanc. Ah, tu vois, des fois, quand j'enlève ma ring light, ça fait un meilleur rendu. Mais il n'y a pas assez de lumière quand même, tu vois. Tu vois ou pas? Moi, j'aime beaucoup. Bon, on va continuer. Du coup, je vais prendre un pinceau pour... Je vais prendre celui-ci pour nettoyer un petit peu mon dessous de sourcil un petit peu. Après, on va me déchauffer le teint parce que là, franchement, ça fait vraiment très, 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 très blanc, quoi. Attendez, je cherche le... Il est là. Je vais en prendre un peu. Je me suis mal organisée. Je suis mieux quand je fais mes vidéos dans ma cuisine. Au moins, j'ai le plan de travail. Tu vois, j'en prends un peu de... Ça fait mieux, je te jure. Quand je le fais pas, je vois la différence. Hop. Après, tu sais quoi? J'ai remarqué aussi que quand il fait gris comme ça, là, parce que ça y est, ça commence à être l'automne, quoi. On va pas se plaindre, c'est normal qu'il y ait quatre saisons. Mais quand il fait gris, ben... Je sais pas. Le moral, il part. Le moral, il... Je sais pas. Il se barre en même temps. Je suis une fille, moi je suis une fille de soleil, hein. Tu vois. Quand il fait pas beau comme ça, c'est pas. Je sais pas. Je me reconnais plus. Attendez, j'ai l'impression que j'ai un petit peu effacé mes sourcils là-haut. Déjà que c'est pas très, comme je vous ai dit, c'est assez. C'est pas opaque, tu vois, ça fait assez naturel. Donc il faut que je refasse des retouches parfois. Voilà, on adore. Bon, tu vas voir à la fin. À la fin, ça va être cool. J'ai pris un bronzer pareil. Donc, c'est Art Class Too Cool. Créateur de contour by Robin. Donc, ça se présente comme ceci. L'emballage, il est pas mal. Mais pareil, je pense que c'est pas assez. En fait, la qualité, super. Mais la teinte, elle est un chouïa trop claire. Tu vois? Attends, je vais te montrer comment ça se présente. Tu as un miroir. Là. Et puis là, t'as le... Voilà, t'as les trois couleurs. Mais on est d'accord que cette couleur-là, elle est quand même assez claire. Du coup, je vais quand même prendre le pinceau biseauté. Moi, j'aime bien quand tu les laves, tu gardes ça, ça ne faut pas y jeter. Franchement, ils sont pas mal, les pinceaux. Ils sont pas mal du tout. Par contre, je vais enlever ça. Ouais, c'est trop clair. Mais ça va quand même, ça réchauffe un petit peu, vous allez voir après. Dites-moi si vous êtes comme moi, si avec le mauvais temps, je sais pas, vous vous sentez moins à l'aise. Je me sens moins à l'aise quand il fait pas beau, je te jure, je suis plus moi-même. C'est bon, j'ai réchauffé un peu mon teint, du coup, ça va un peu mieux là. Vous avez remarqué ou pas? Je vais donner un petit coup de peps, de boost à tout ça. Je vais venir mettre du coup un blush, c'est le Sunshine Cheek en teinte 05 You Already Shine. Il est vraiment très bien. Il y a différents coloris, je crois qu'il coûte dans les 5 euros pareil. Voilà comment il se présente. Par contre, j'ai égaré mon. Il n'y a pas de. Faut que je le garde sur mes genoux, celui-ci. Tu vois, sans blush, le blush, c'est la touche, tu vois. Le blush, c'est quand même la touche indispensable, surtout en hiver. Quand t'as un teint fade et morose, oui, on revit là quand même. Il est mignon, hein? Faut pas se fier aux apparences parce que quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh, il va être trop foncé. Non, non, franchement, il est nickel. J'aime trop. Moi, j'en mets un peu de partout du blush, je te jure. Mes crèmes, pendant que je pense à un truc. Vous savez, quand vous m'envoyez vos... Parce que j'ai reçu encore beaucoup, beaucoup de demandes de conseils.
pensez, s'il vous plaît, En fait, je vous ai dit de donner des détails, mais arrondissez un peu les angles, en fait. Surtout concernant la localisation, tu vois, ou le nombre de frères et sœurs, ou tu vois, tu changes un petit peu. Parce que j'ai encore une poulette qui m'a demandé d'effacer la vidéo que j'avais faite d'elle, parce que sa tante, elle l'a appelée, elle lui a dit, je viens de voir une vidéo sur Internet, ce serait pas de toi dont il s'agit. Elle m'a dit, Linda, j'ai peur que ma mère, elle tombe dessus ou que ça s'ébruite, donc efface-la. Je l'ai effacée, hein. Je vais pas vous dire de quelle vidéo c'est, tu vois. Mais j'ai direct effacé, moi je ne veux pas vous causer d'ennui. Hein. Donc bien sûr que j'ai effacé sur le champ. Alors pour ça, vous faites attention, ça m'évitera d'effacer. Parce qu'imaginez, j'efface toutes les vidéos, on n'a pas fini. Je vais mettre l'highlighter, du coup c'est le prisme. Il est trop beau, regardez. Je l'ai testé. Hein. C'est une espèce de forme de galet comme ça. La teinte, c'est la GD02. Et franchement, il est trop, 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 trop beau. Et surtout, il est super pigmenté, quoi. J'étais vraiment choquée. On va prendre un autre pinceau pour l'appliquer. On va prendre celui-ci. Même si c'est pas un pinceau highlighter, je vais utiliser leur pinceau. Oui, excusez-moi pour les bruits de chaise. Du coup, vous y pensez bien, hein. Après, là, bah, je vais essayer d'ailleurs de vous tourner peut-être ce soir. Non, parce que là, j'aurai pas le temps de vous tourner une vidéo. J'essaie de ne pas me mettre la pression. Parce que si je commence à me mettre la pression, autant je suis super organisée sur tous mes rendez-vous, mes trucs et tout, mais autant pour les vidéos, j'essaie de pas trop organiser, tu vois. De pas me dire demain tu fais ci, demain tu fais ça. Même si là, la vidéo aujourd'hui, cette vidéo d'aujourd'hui, je m'étais dit, il faut que je teste le make-up. Soit dans un vlog, soit dans une vidéo. Après, je sais que vous aimez les vidéos de tutoriel make-up, tu vois. Mais si je commence à trop vouloir. Je sais pas si tu vois. Je pense que c'est le pinceau qui est pas. Après, c'est pas le pinceau adéquat non plus, quoi. Mais sinon, franchement, cet highlighter, il est trop, 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 trop. Waouh! Il est trop beau. Je l'aime trop. Je vous jure, il est trop, 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 trop beau. Ça fait trop de trop, 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 mais je vous jure que c'est vrai. J'adore. Attendez, je vais changer de pinceau, je vais en mettre aussi là. Du coup, quand je vous ai dit, quand je commence à me foutre la pression et à me donner des obligations, après ça me freine. Mais comme j'ai beaucoup, beaucoup de mails, du coup, j'ai pas besoin de chercher de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais dire. Après, des fois, je vous fais des vidéos spontanées, je sais que vous aimez bien, par exemple, en voiture et tout, tu vois. Quand j'ai vraiment un sujet qui revient le plus souvent en mail et tout, et ben du coup ça m'inspire et je vous en parle un peu plus poussé quoi, pour vous dire un peu le fond de mes pensées, parce que finalement les vidéos conseils elles s'adressent à la personne, elles s'adressent à tout le monde, mais ça reste quand même assez restreint, c'est pas général. Donc je préfère vous faire aussi quelquefois quand même des vidéos un peu psycho, un peu plus générales, tu vois. Dans tous les thèmes, hein, le savoir-vivre, l'amour. Non, non. Je me suis notée, en fait, à chaque fois que j'ai une idée de vidéo, je la note. Et après, par exemple, des fois, je regarde, je me dis, ah, c'est vrai, je devrais parler de ça, je devrais parler de ci, tu vois. C'est pas vraiment les vidéos qui me gênent le plus, c'est plus. Enfin, c'est même pas que ça me gêne. Mais on va dire que c'est tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, Instagram, bah, les MP, je les regarde quasiment plus. Franchement, je suis vraiment désolée. Les commentaires YouTube, je regarde tout, mais bien sûr que je ne peux pas répondre à tout le monde. Et ça, je vous jure que ça me frustre à un point que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, ouais, pour ça, par contre, ouais, c'est un petit peu compliqué, quoi. Attendez, parce que je veux rien oublier. La palette, elle est où? Il y avait une palette. Ah, elle est là, la palette. On va faire les yeux avec la palette. Puis après, il faut que je pense à moi aussi, tu vois, faire mes soins et tout. Parce que, tu sais, faire mes cheveux, m'occuper de mes enfants correctement, m'occuper de chez moi et tout. Là, ça va, maintenant j'ai un robot qui lave par terre tout seul. Je suis trop contente. Je vous le montrerai d'ici le prochain vlog. D'ailleurs, je sais que les vlogs, c'est pas spécialement les vidéos qui sont le plus vues, mais j'ai certaines de mes abonnées qui adorent mes vlogs. Du coup, bah, j'essaie quand même de vous en faire quand même quelques fois, tu vois. Dites-moi si ça vous a fait plaisir que je vous prenne hier en vlog avec moi. Moi, en tout cas, ouais, j'aime bien.
C'est pas ce que je consomme, parce que, à vrai dire, j'ai même plus le temps vraiment de consommer des vidéos sur YouTube. Ah oui, la palette, je vous l'ai même pas présentée, elle se présente comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les fards. Ils ont l'air pigmentés. Ils ont l'air un petit peu poudreux. Mais après, tous les mats sont plus ou moins poudreux. Donc, attendez, j'aurais dû mettre cette teinte-là. La blanche. Je vais la mettre ici. Waouh! Ah ouais! Un irisé de malade. Bah, je vous montrerai après, genre, plus proche, quoi, ce que ça donne. La palette, elle est trop bien. Même le mat, là, que je suis en train de mettre. Trop joli. Après, je sais pas si ça va rendre justice avec la couleur de la ring light, parce que du coup, là, j'ai mis une couleur un peu jaune. Je vous montrerai de plus près après ce que ça donne. La palette, elle est trop bien. Les soins, la palette, l'éponge à make-up, l'highlighter. J'ai trop, trop, trop kiffé. Mince, j'ai oublié de mettre la teinte blanche là, ce côté. J'adore. Franchement, les couleurs là, elles sont trop, 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 trop canon. Toutes les couleurs sont trop belles. Toutes les couleurs. Celle-là, je vous la recommande, les filles, les garçons. Après, celle-ci, elle vaut, je crois, dans les. Je vais pas vous dire de bêtises. Je crois une vingtaine d'euros. Mais après, avec mon code promo, ça vous fait quand même une bonne discount, tu vois. Tant qu'à commander, en plus, t'as, je crois, les frais de port, ils sont offerts passé un certain montant. Ce qui est cool, c'est que la livraison, des fois, c'est 2 jours. Tu reçois ça assez rapidement. Non, j'aime beaucoup. Après, je vous enlèverai la ring light pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Donc, est-ce que je ne mettrai pas. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui-ci. Et je vais mettre un fard que je vais choisir pour mettre un peu en dessous. J'aime bien les fards comme ça, un petit peu bronze. C'est un petit peu poudreux par contre, mais c'est très très pigmenté. J'espère que j'aurai pas trop de chute. Attendez, puisque j'ai un caca là. Je sens que je vais vraiment. Cette vidéo, je sens qu'au montage, je vais en avoir pour un moment. Parce qu'il y a des blancs, à chaque fois que je me maquille, je vais devoir pas mal couper, quoi. C'est du boulot, je vous jure. Mais après, je me plains pas. Alhamdoulilah, c'est pas le travail que j'ai toujours voulu faire, ça serait vous mentir, mais comparé à mes anciens travails, franchement, c'est un luxe. Je vous jure que c'est un luxe. Enfin bref, du coup j'ai pris un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. C'est un espèce de gel liner avec des paillettes. Bah écoutez, on va l'utiliser pour voir ce que ça donne. Ah ouais, il est rose. Je pensais qu'il était blanc. Je vous jure que ça fait des reflets roses. Ça, c'est sympa. Il se présente comme ça. Il y avait plein, plein, plein d'autres teintes. Shabam, Shabam, Romantic Lighter. Voilà ce que ça donne. Encore une fois, j'éteindrai la ring light après pour vous montrer mieux. J'ai pris un eyeliner et un mascara. Le liner, je ne l'ai pas. Ah si, je crois que je l'ai testé. C'est de chez Merzy, comme ça. The first pen eyeliner. Non, je crois. Je l'ai testé. Ah si, je l'ai testé. J'ai pris en marron, mais c'est un marron qui est assez foncé. Marron, ça fait moins violent, tu vois, ça fait moins sorcière. J'aime bien l'eyeliner maintenant, depuis que j'ai testé un liner là il n'y a pas longtemps. Bah du coup, maintenant je mets du liner. J'aime trop. Je sais pas si je l'applique en off ou pas, mais quand même, le liner, ça finit un make-up. Tu vois, quand t'en mets pas, ça fait pas pareil. Il est super précis. Il est super opaque. Donc là, par contre, j'ai besoin d'être avec moi-même. Attendez. On va tenter une dinguerie. Voilà. Il y en a qui commencent par le bord. Il y en a qui commencent par
la pointe, il y en a qui commencent par le coin interne. J'ai tous les jours une technique différente. La prise en main, elle est pas mal du tout. Bon, je fais l'autre et je vous retrouve. C'est bon, du coup, j'ai fini les yeux, j'ai fini le liner, j'ai l'impression que c'est pas les deux les mêmes, mais ça va, ça fait beau. Franchement, au début de la vidéo et maintenant, vous avez vu le teint? C'est pas blanc, hein. Il est un peu clair, mais ça va, c'est fait pas. Quand tu réchauffes un peu le teint, même le bronzer finalement, il est de très très bonne qualité, vraiment. Ça m'a fait un teint un petit peu velvet, tu vois. Maintenant, on va prendre le mascara Heroine Makeup Volume and Curl Mascara Super Waterproof. Donc je l'ai testé parce que vous savez que j'adore les mascaras. Honnêtement, c'est pas le produit de la commande que j'ai le préféré, tu vois. Maintenant, on va le tester encore une fois pour voir un peu. Ça va. Par contre, je m'en mets toujours sur la paupière. C'est pénible. C'est bon, j'ai posé le mascara. Alors, il allonge bien les cils. Après, pour les recourber, je trouve qu'il est un petit peu moyen. Honnêtement, vous savez que je suis honnête, hein, partenariat ou pas. Maintenant, on va finir avec le gloss. Donc, c'est un gloss velvet en teinte 05. Du coup, je crois que c'est Queen aussi. Baked Velvet Tint. Hop, pour finir un peu le make-up. Mais pareil, c'est, si vous avez vu, c'est une encre à lèvres en fait. Voilà. C'est pas mat, mais ça fait vraiment encre à lèvres. Du coup, toujours dans une teinte un peu naturelle, tu vois. J'aime beaucoup ce genre de produit. Il y a d'autres teintes, hein, bien sûr, au cas où ça vous intéresse, mais ça fait vraiment, je sais pas comment vous dire, comme un tatouage permanent, quoi. J'aime trop. Franchement, il est trop bien. Il est trop, trop, trop bien. J'ai adoré. Donc, en tout cas, j'espère que je vous ai fait découvrir des pépites. Les soins, je vous les recommande. La palette pour les yeux, elle est trop bien. Surtout les soins, vraiment. Les éponges, encore une fois. Le fond de teint aussi, si vous avez la peau claire et que vous galérez à trouver des teintes claires, sachez que eux, les Asiatiques, ils ont tout le temps des bonnes, bonnes teintes de clair. Le eyeliner aussi, il est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui était. Ah oui, l'highlighter, trop, trop, trop beau. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, il faut que je sorte. En tout cas, je suis contente de ce make-up. Je vais vous montrer quand même, sans la ring light, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Voilà, sans ring light. J'aime trop. Dites-moi en tout cas si vous connaissiez Style Vanna. C'est vraiment la première fois que je teste et franchement j'en suis plutôt contente. Les produits sont vraiment de bonne qualité. Vous pouvez tomber sur des pépites de ouf comme encore une fois le sérum, la crème de jour, la crème en contour des yeux. Franchement elle est vraiment trop bien, elle hydrate super bien. Le fond de teint aussi, la qualité est vraiment très bien. L'encre à lèvres, encore une fois les palettes, toutes les poudres et tout, elles étaient vraiment bien. Donc on va dire que le. Là oui, les éponges aussi. Ce que j'ai peut-être le moins aimé, c'est peut-être le mascara et les pinceaux. Voilà, c'est le mascara, pinceau et disons que aussi le bronzer n'était pas trop à ma teinte. Sinon, franchement, tout le reste, j'ai grave kiffé. Donc voilà pour tout. J'ai un petit coup de mou, mais je suis pas encore dans le burn-out. Je vous le dirai, je vous tiendrai au courant. Non, 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 non. On s'organise et on tient le coup. Je pense que c'est le temps aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis je sais pas, j'ai l'impression de toujours devoir m'organiser tout le temps, de voir le matin, la première chose que je fais, c'est de regarder tout le temps mon emploi du temps et tout. Mais bon, je vais pas me plaindre. Écoutez, il y a pire. Il y a pire. Et puis, comme je vous dis, franchement, être occupée, ça. On va dire que ça me permet de pas penser à la bouffe. Oui. D'ailleurs, j'ai oublié ma boisson au citron. Je vous laisse. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. N'oubliez pas d'aller checker leur site, donc Stylevana, et surtout de profiter de mes 10% de réduction, enfin de mes 25% de réduction. Du coup, si tu commandes un petit montant, hein, à partir d'un petit montant, tu as 25% de réduction. Du coup, la réduction, elle est effective à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas pendant combien de temps. De toute façon, je vous dis tout ça en barre d'information. Je vous remercie. Franchement, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Vous n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Nude. Rose et nude, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Je t'embrasse. Tu n'oublies pas de liker, disliker, fucker ou toser, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Je vous remercie, merci pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, vous prenez soin de vous et vous vous laissez pas faire. Bisous!